Et voilà, en direct. Bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini, pour votre numéro du vendredi soir. Alors ce soir, je reçois Marie Le Pennec, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut, super contente d'être là. Voilà, alors je vois qu'il y a déjà, ça commence un petit peu déjà à bouger dans le chat. Bonsoir Lionel, Colette, Christophe, Patricia. Bonsoir à tous et puis à tous les autres. Bonsoir, très heureux que vous soyez là également ce soir. Alors ce soir, on va parler de quoi? Ce soir, on va parler apprivoiser sa Kundalini. Donc avec Marie Le Pennec. Marie, tu es donc énergéticienne. Donc tu es également une guérisseuse. Tu as su te reconnecter à tes cinq sens subtils, ce qui t'a permis d'appréhender le monde dit de l'invisible. Tu procures différents soins tels que le magnétisme allié à des techniques énergétiques ou lecture akashique que l'on appelle aussi la lecture d'âme. Donc, je rappelle que Marie est déjà venue sur la chaîne faire deux autres émissions, une première sur les annales akashiques et la deuxième, c'était sur Clairvoyance. la clairvoyance. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, Marie est une habituée. Voilà. C'est pour ça qu'elle a ses aises. Elle est tranquille. Elle est détendue. Elle n'est pas stressée. Hein. Ça va. Normalement, hein, normalement, voilà. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous, hein. C'est pas le cas chez moi, en tous les cas. Chez moi, c'est bientôt la tempête, c'est super. On va se mouiller tout le week-end, ça va être chouette. Bien, bien. Bon, alors Marie, on va parler un petit peu du Kundalini. Alors le Kundalini, si j'ai bien compris le sujet, c'est un peu une sorte un petit peu de méditation. Ça permet un petit peu d'augmenter un taux vibratoire un peu à l'intérieur de nous. Bon, bien entendu, la Kundalini n'est pas non plus, on va dire, sans danger, hein. Marie vous l'expliquera mieux dans la conférence. Donc, cette conférence débouchera sur des ateliers qu'on vous présentera également un petit peu plus tard. Voilà. Alors, Marie, déjà, peut-être pour les personnes, pour les quelque part, les irréductibles mystériens qui ne te connaissent pas, déjà, peut-être un petit peu, nous parler un petit peu de toi en quelques mots, un petit peu ton parcours, puis après, on parlera un petit peu plus du sujet. D'accord, oui, avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc tu m'as quand même déjà plutôt bien décrite dans l'ensemble, mais voilà, effectivement, je suis guérisseuse, entre guillemets, parce que ça veut dire un peu plein de choses aussi. Guérisseuse dans le sens où je pratique des soins énergétiques et des séances effectivement de lecture d'âme, voilà, depuis 3 ou 4 ans maintenant. Voilà, je pratique différentes sortes de soins et si je peux parler un peu de comment ça m'est venu, en fait, c'est un peu comme une reconnexion à des énergies, notamment de guérison, qui étaient déjà présentes en moi et qui ont émergé, en fait, petit à petit, naturellement. Et donc, j'en suis venue, en fait, à donner des soins de façon complètement naturelle et voilà. D'accord. Mais effectivement, on a des très bons retours en tous les cas des personnes qui ont fait en tous les cas les ateliers avec toi, puisque tu en as même certains qui te suivent de chaque atelier. Donc, les résultats sont super. Voilà. Alors, Marie, on va parler ce soir donc du Kundalini. Alors, le Kundalini, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc, déjà pour commencer. Alors, la Kundalini, en fait, la Kundalini, c'est un nom sanskrit qui représente l'image d'un serpent qu'on a enroulé sur lui-même au niveau du sacrum, voilà, à la base de la colonne vertébrale. Cette Kundalini, en fait, c'est ce qu'on peut nommer aussi la force de vie, la force créatrice, la force sexuelle, oui, en tant que force créatrice. Et en fait, quand on parle de la Kundalini, c'est une énergie qui se développe au fur et à mesure de ce qu'on appelle l'éveil, entre guillemets. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont entre guillemets non éveillées, cette énergie, elle est en dormance.
Et au fur et à mesure où l'on s'éveille, cette énergie, cette kundalini, s'élève aussi en nous. Et donc, d'un point de vue énergétique, elle s'élève aussi en nous, donc à travers nos différents chakras. En fait, ça prend vraiment du coup la forme d'un serpent qui s'élève en... comme un vortex en fait qui s'enroule autour du canal central, ce qu'on appelle Shushumna. Voilà, en fait, c'est deux nadis, Ida et Pingala, qui s'enroulent autour de ce canal central, voilà, qui se croisent au niveau des chakras et qui montent ensemble jusqu'à la fontanelle, voilà, au niveau de du haut de la tête, et ce qui provoque ce qu'on peut appeler l'illumination, la béatitude, ou voilà. Ouais, ça nous met dans un état de bien-être total. Alors, il y a un truc que je regarde qui est très rigolo sur Internet, je ne sais pas si ça a un rapport, c'est que le signe de la Kundalini que tu parles, tu dis que c'est deux serpents comme ça qui s'entrecroisent autour d'une colonne vertébrale avec deux ailes comme ça. Tout à fait. Alors ça, c'est très rigolo parce que pour les personnes peut-être qui sont médecins ce soir, vous allez reconnaître que le serment d'Hippocrate, il y a exactement le même signe sur le serment d'Hippocrate, sur tous les diplômes de médecin. Il y a cette espèce de bâton avec deux ailes et deux serpents comme ça également qui s'enroulent autour du bâton. Voilà. C'est rigolo ce lien entre les deux. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais… Voilà. C'est pas non plus. En tout cas, c'est assez représentatif du coup de la médecine en général, parce que du coup cette énergie de vie finalement quand elle s'élève, c'est aussi une énergie de guérison. Et c'est vrai que en fait voilà, c'est un peu comme s'il y avait différents stades au fur et à mesure où elle s'élevait et où elle affectait, du coup elle entrait en résonance avec chacun de nos chakras. Et du coup effectivement à chaque chakra s'ensuit un nettoyage et des effets aussi, des symptômes différents. Alors, qu'est-ce que ça apporte véritablement comme bienfait véritablement au niveau de l'esprit, en fait? Alors, c'est assez large finalement. Mais ça représente déjà de façon générale vraiment une ouverture en fait, une ouverture de conscience. Et du coup, en ça, ça engendre une ouverture de ces canaux, de ces sens subtils, une ouverture de ces perceptions extrasensorielles aussi peut-être. Et une ouverture de conscience dans le sens, une conscience voilà élargie des choses, un point de vue beaucoup plus haut, et du coup une vision beaucoup plus claire, une compréhension beaucoup plus profonde. Ça entraîne aussi vraiment une connexion profonde, aussi une communion avec le tout en fait. C'est vraiment cette sensation d'osmose, de grande béatitude parfois, de paix totale, de fusion, vraiment de fusion avec tout. Et du coup, comment tu le pratiques, le Kundalini, en fait? Alors, la Kundalini, c'est pas une pratique, c'est vraiment donc cette force de vie qui nous habite tous, en fait. Mais effectivement, il y a des moyens de la développer, de la faire s'élever. C'est ce qui peut entraîner, du coup, ce qu'on appelle des montées de Kundalini. Parce que, tu vois, elle peut monter, passer certains chakras et puis redescendre et faire des allers-retours comme ça pendant un moment. En fait, ça connecte tous les chakras en même temps et ça les active tous en même temps. Non, c'est plutôt un à un. Après, il y a différents types de montées de Kundalini, c'est-à-dire que ça peut monter palier par palier et puis rester à un des chakras, tu vois. Où ça peut aussi effectivement monter de façon très spontanée et directe. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai que ça arrive vraiment à des personnes complètement initiées dans ce domaine. Parce qu'effectivement, il y a des moyens pour éveiller sa Kundalini. Donc, mais c'est pas forcément quelque chose que je préconise moi personnellement.
Je pense que c'est mieux de préparer le terrain en ce sens, voilà, pour pouvoir accueillir ces potentielles montées de Kundalini, plutôt que chercher à les provoquer, en fait, parce que c'est là où ça peut être plutôt dangereux. Et comment t'en viens en fait? Je veux dire, faut se mettre en sous forme de méditation. Je veux dire, suffit juste de penser. Comment t'en viens à faire de la Kundalini? Enfin, comment t'en viens à ça en fait? Eh ben, ça dépend de plein de choses en fait, parce que ça dépend de déjà à la base ta disposition, enfin, ou j'allais dire ta disposition à ça, mais en tout cas ton quelque part oui, dans ta disposition à ça, dans ta capacité à communier avec le tout en fait. C'est-à-dire que plus tu vas voir la vie, comment dire, tu Bah, vois de merveilleuse, ouais. Plus tu vois la vie est belle, plus ça se fera d'une manière. Oui, et puis plus tu as aussi, tu sais, plus tu as conscience de ce principe d'unité, plus tu le ressens en toi, en fait, plus tu es aussi en communication avec ce qu'on peut appeler les sphères supérieures. Et du coup, Ouais, la plus tu source, es tout ça, dans ouais. un état qui va effectivement favoriser l'éveil de cette Kundalini. Après, de façon plus pratique, tu peux effectivement méditer. Voilà, pour ma part, ce qui peut m'aider à élever cette Kundalini, effectivement, c'est la méditation, le yoga, la respiration, le contact avec la nature. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi dans ça et dans l'ancrage aussi que ça peut m'apporter. Voilà, après, j'écoute aussi des mantras. Ça l'éveille aussi. Après, je peux aussi, par exemple, il y a vraiment plein de techniques, faire des danses spontanées, des chants spontanés. Est-ce que activer sa Kundalini, ça voudrait dire un petit peu quand tu fais quelque chose où vraiment tu es véritablement connecté à toi, est-ce que ta Kundalini, pardon, se déclenche à ce moment-là? Eh ben oui, complètement. En tout cas, ça peut l'aider. C'est-à-dire que plus tu es dans un processus, oui, d'écoute de toi, intérieure, profonde, plus tu es dans ce repos aussi, et plus ça peut, effectivement faire monter ta Kundalini. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que pas besoin, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin de se mettre allongé ou de rentrer dans une transe profonde pour activer justement la Kundalini, juste en, par exemple, en faisant, tu disais, en marchant dans la nature, mettons, tu marches dans la nature, puis vraiment tu te sens bien, tu es connecté pour beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, qui vont dans la nature et qui se sentent connectés à la nature, à ce moment-là, tu peux déclencher. Mais est-ce que tu sais que tu es en train de déclencher ta Kundalini ou est-ce que quelque part ça se fait naturellement? Eh ben, c'est une très bonne question et justement, je pense que ça dépend un peu de si tu, j'allais dire des personnes, c'est-à-dire si tu cherches à déployer cette Kundalini ou alors si ça se fait plutôt naturellement. L'exemple que tu as cité, il est tout à fait juste en fait, c'est-à-dire que si tu es dans un état de vraie relaxation profonde et de vraie connexion avec, oui, par exemple la nature ou le tout, encore une fois, effectivement, ça participe vraiment à la montée de cette Kundalini. Après, on peut aussi, oui, faire des méditations et une recherche un peu plus poussée en ce sens, mais elle peut s'éveiller sans que tu l'aies recherché, sans que tu en aies forcément conscience même. Il y a beaucoup de gens qui vivent des éveils, des montées de la Kundalini sans, oui, forcément comprendre ce que c'est. Ouais, sans fond. Par contre, voilà, et après, on dit que la Kundalini, c'est là où c'est intéressant, on dit que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Donc, c'est dangereux dans quel sens, en fait? C'est dangereux dans le sens où justement si tu recherches ça, si tu recherches ça à travers des exercices et vraiment quelque chose où tu pousses en ce sens, alors que tu n'es pas forcément préparé au niveau du corps et de l'esprit, du coup effectivement il peut y avoir des désagréments, voire des ravages au niveau physique et psychique. Et donc effectivement tu peux développer des troubles mentaux ou alors des maladies ou des dysfonctionnements physiques.
Ben, si cet état nous amène, comme tu dis, un espèce d'état de béatitude où on se sent véritablement connecté et on se sent un petit peu proche de la source, c'est là où j'arrive pas à comprendre comment cela, dans ton cerveau, peut t'amener à un moment donné à un état justement de mal-être où tu vas vriller. Parce que quand tu nages dans le bonheur, généralement, tu ne pars pas dans la folie, quoi. Tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette Kundalini, c'est une énergie de vie tellement forte. Tu vois, c'est vraiment quelque part presque l'énergie la plus forte qui existe, parce que c'est vraiment l'énergie de création. Et en ça, nous, quand on n'est pas encore à un stade vibratoire suffisamment haut, on n'a pas l'habitude de ce genre d'énergie. Donc, d'une part, c'est inconnu et ça peut faire peur. Et d'autre part, au niveau physique, effectivement, quand ça monte, parfois ça pousse et ça peut faire très mal. Encore une fois, notamment si le corps n'est pas préparé. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que oui, il y a cet inconnu. Tu vois, vraiment, c'est quelque chose qui peut t'amener, par exemple, des visions, des flashs, des trucs complètement mystiques, et c'est complètement, tu vois, perturbant. Ouais, en fait. Donc une personne qui n'aurait pas l'habitude de tout ça et qui vivrait ça pourrait vite, à un moment donné, prendre peur. En fait, je pense que c'est vraiment une énergie très puissante qui se maîtrise. Et pour une personne qui est complètement néophyte à ça, le danger est qu'à un moment donné… dépasser aussi, du coup. Voilà, d'autant plus quand on ne comprend pas ce qu'on vit. Et c'est vrai que quand certaines personnes disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques qui ont vécu des montées de la Kundalini, je pense effectivement que c'est vrai. Et du coup, ça peut vraiment… C'est en ça où c'est dangereux. C'est que ça peut vraiment mener à cette extase et à cette béatitude comme moi, j'ai connu. Mais ça peut aussi vraiment mener à la folie quelque part. Et c'est quelque chose que d'ailleurs, j'ai parfois cru vraiment toucher. En fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un danger… Ouais, ça fait un peu penser, si tu veux, un peu comme si on prenait une drogue qui d'un coup nous amène dans un état en fait de béatitude totale, quoi. Voilà, et on a l'impression quand on a pris cette drogue de se sentir tout puissant. Enfin, cette drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être aussi de la drogue, mais voilà, on se sent à un moment donné dans un état espèce d'euphorique. Et en fait, si c'est mal contrôlé, ça peut vite dégénérer, en fait. C'est ça, et on appelle ça aussi le feu de la Kundalini. C'est en ça qu'on voit bien que c'est puissant, quoi. Et c'est vrai que si on n'est pas préparé, dans le sens où on n'a pas encore des pensées très hautes, une hygiène de vie très haute, enfin. Tout ça, c'est hyper important en fait, parce que du coup, quand cette Kundalini, elle monte en nous et qu'elle traverse nos chakras, elle vient les nettoyer, et plus ces chakras, ces nadis, tous ces circuits énergétiques qu'on a en nous, ils sont pollués de toxines, de mémoire, etc. Et plus quand la Kundalini, elle va monter, ça va faire des dégâts en fait. C'est en ça que c'est hyper important. Comme un volcan, quoi. Un peu comme un volcan. Ouais. Ça sort, blam, ça explose. Quoi. Tu peux t'en servir. Je veux dire, est-ce qu'une personne qui aurait un petit peu une connaissance de la Kundalini, qui voudrait se servir de cette énergie à des fins un petit peu destructrices, pourrait s'en servir? Ou alors, est-ce que cette énergie, elle vient uniquement quelque part pour le bien, mais est-ce que tu peux t'en servir aussi pour le mal? Alors, bonne question là aussi, je me l'étais jamais formulée comme ça. C'est possible que oui, dans le sens où cette énergie, elle peut dévaster par rapport à la puissance qu'elle a. Tu peux peut-être t'en servir pour faire des actions pas très chouettes. Mais bon, à la base, c'est pas du tout ça que ça sert. C'est mon côté science-fiction, c'est à force de regarder des films là-dessus. Mais c'est vrai que les gens, de toute façon, qui font des actions plutôt dans le sens de la destruction, ils se servent bien d'une énergie aussi. Et plus cette destruction, elle est puissante, plus effectivement, il faut aller la puiser dans l'énergie de création. C'est ça. J'aurais envie de penser même un petit peu à toutes ces personnes qui sont des manipulateurs pervers narcissiques, qui viennent pomper votre énergie totalement. Bon, ils vous la pompent, mais quelque part, eux aussi balancent une énergie
qui quelque part est très négatif. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que quelque part, eux aussi, ces gens-là vont chercher l'énergie, une énergie quelque part. Voilà. Puisqu'en fait, la Kundalini, c'est vraiment, on pourrait voir ça comme une énergie. Enfin, nous, de ce qu'on en parle ce soir, vous inquiétez pas, c'est pas pour, c'est pas pour, pour en faire du mal. Au contraire, c'est pour vraiment vous sentir bien. Voilà. Et c'est pour ça que Marie nous en parle ce soir. Mais si je te parle de ça, parce que il y a des gens, tu sais, je sais plus, j'avais parlé avec une personne, disait, il voulait des renseignements sur l'hypnose. Et je sentais que la personne, ça l'intéressait parce que quelque part, il se disait, mais l'hypnose, c'est vachement bien si t'es hypnotiseur. Parce que pour lui, il pensait qu'on pouvait quelque part manipuler les gens un petit peu à sa guise. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des dangers là-dedans, c'est que quelque part, des personnes mal intentionnées pourraient très bien se servir de ces énergies-là pour faire du mal. Oui, j'entends ce que tu veux dire. Mais après, tu vois, quand tu parlais des pervers narcissiques ou ce genre de personnalité, en fait, je ne crois pas qu'ils puissent avoir vraiment accès à ce genre d'énergie en eux. Et c'est peut-être justement, enfin ça c'est un autre débat, mais peut-être quelque part aussi un peu leur problème, c'est que du coup, ben, ils vont puiser leur source d'énergie ailleurs. Tout à fait. Donc, quand tu fais monter cette Kundalini en toi, est-ce que tu la sens vraiment quand tu as conscience, de cette Kundalini, est-ce que tu la sens monter au fur et à mesure dans les différents chakras? Est-ce que tu la sens passer dans les différents chakras de ton corps quand tu es réceptif à tout ça, bien sûr? Oui, tout à fait. en fait, tu la sens tout à fait s'exprimer différemment en fait à chaque chakra. C'est-à-dire que oui, ça va avoir un effet différent et des manifestations différentes à chaque chakra. L'énergie de la Kundalini, elle a vraiment différents aspects de manifestation. L'énergie de la Kundalini, je veux dire, c'est une énergie que, une fois que tu as pratiqué la Kundalini, c'est une énergie qui reste en permanence en toi, ou c'est juste une énergie dont tu te sers pour te sentir bien de temps en temps? En fait, non, c'est en ça qu'on parle de montée de la Kundalini, c'est-à-dire que effectivement, il y a vraiment des allers-retours, tu vois, elle peut très bien, par exemple, pour ma part, souvent quand elle se manifeste, elle monte jusqu'à certains chakras, mais elle monte très rarement jusqu'en haut. Très souvent, oui, elle s'arrête au niveau du troisième œil, en fait. Après, voilà, elle fait beaucoup d'allers-retours, notamment au niveau du ventre. Et je me souviens une seule fois seulement dans ma vie où je l'ai sentie monter vraiment de façon fulgurante jusqu'en haut. Et elle est redescendue tout aussi sec, quoi. Et je pense qu'il faut beaucoup de... Oui, d'entraînement quelque part pour arriver à garder sa Kundalini vraiment déployée de façon constante. En fait, il faut, voilà, je pense qu'il faut, comme tu dis, une très bonne maîtrise de soi-même pour que cette énergie de la Kundalini, on puisse s'en servir vraiment à nous faire du bien, vraiment, et surtout à contrôler cette énergie. Parce que si tu dis que c'est si puissant que ça, effectivement, j'imagine que ça peut. Je veux dire, et quand vraiment, quand véritablement elle arrive pour la première fois, est-ce que ça ne fait pas un effet bizarre? Est-ce que tu ne te sens pas dans une espèce d'euphorie? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque comme, on va dire, un orgasme, un peu comme un orgasme, en fait? Eh bien, en fait, ça peut être complètement ça ou complètement l'inverse. Et c'est vrai que j'ai expérimenté les deux côtés. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu des montées de Kundalini complètement extatiques. Et j'ai vécu aussi des montées de Kundalini extrêmement douloureuses et perturbantes, quoi. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que ça doit être. Et est-ce que, par exemple, un homme et une femme, un couple, peut vivre une montée de Kundalini en même temps, par exemple, j'en parlais, par exemple, lors d'un rapport, par exemple, sexuel, puisque la sexualité, quelque part, est une énergie, est-ce que tu peux vivre, vu que tu dis que c'est une énergie, vu que c'est deux énergies, est-ce que tu peux vivre une Kundalini, par exemple, sexuellement? Oui, tout à fait. C'est en fait la recherche du tantra, de la pratique du tantra. C'est effectivement ce but-là, cette recherche-là, c'est-à-dire éveiller sa Kundalini ensemble pour pouvoir fusionner en une seule énergie. Ah ouais, donc une fois que tu arrives à fusionner cette
c'est à deux, j'entends, tu dois arriver à une extase totale, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. En tout cas, je pense. Ah bah ouais, j'imagine. C'est-à-dire, tu as Lionel qui te demande quel lien peut-on faire entre la Kundalini et l'Akasha. D'accord, bonsoir Lionel. En fait, je trouve que c'est une question très intéressante et pour moi, les deux peuvent se rejoindre en fait. C'est-à-dire que à travers d'expérience en tout cas, à travers la communication avec son Akasha, ça peut tout à fait aider à déployer sa Kundalini. Donc encore une fois, sa force de vie, sa force créatrice. D'accord. Alors les différents aspects de manifestation de la Kundalini. On a un petit peu parlé, mais véritablement, je pense que ça doit être un peu différent de personne en personne. Complètement. Il y a vraiment, il y a une liste de manifestations, je pense, très très longue à ce sujet, presque autant qu'il existe de personnes finalement. Ouais, mais des personnes, toi ou d'autres personnes que tu as connues qui le pratiquent, ça se manifeste véritablement, généralement, un peu comment? Justement, j'ai pris des notes à ce sujet, si vous voulez, où j'ai écrit, en fait, j'ai résumé pas mal des manifestations que moi, personnellement, j'ai vécues à travers l'éveil de cette Kundalini. Donc voilà, des symptômes qui durent encore aujourd'hui, d'autres qui sont partis, d'autres qui vont et viennent. Mais voilà, j'ai fait un résumé de ça. Et aussi de voilà spécifiquement à chaque chakra ce que j'ai pu ressentir. Ouais, bah vas-y, on t'écoute avec plaisir. Ouais. Okay. Alors j'ai noté douleurs partout, voilà, douleurs partout au niveau du corps qui apparaissent et disparaissent subitement. Feu qui monte dans la colonne vertébrale et dans le ventre aussi. Sensation de chaud froid, bouffée de chaleur, transpiration, notamment nocturne. Électricité dans le corps et la colonne. Vibration ressentie dans le corps. Spasme musculaire. Balancement du corps, voilà, notamment en méditation, ce genre de balancement. Membres engourdis. Grande fatigue physique, voilà, vraiment grande fatigue physique, et en même temps, ce qui paraît un peu décalé, surtout au début, une grande énergie à l'intérieur. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'il y a une espèce de frustration, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées, on a envie de créer plein de trucs, etc. Et on se sent pas l'élan de le faire. Mouvement bizarre et spontané, chant bizarre et spontané, comme venu d'un autre monde, autre temps. Démangeaison, piqûre, chatouille, développement du magnétisme, télépathie, vision et toutes sortes de perceptions extrasensorielles. Sensibilité accrue à tout, c'est-à-dire alimentation, sommeil, émotivité, lumière, son, odeur, à tous les courants d'énergie. Grande tension au niveau du cou, ça c'est un truc vraiment presque permanent. Bourdonnement dans les oreilles quasiment constant, ou alors des sons du genre comme des sonars, des téléchargements, des bruits de vaisseaux, ou alors je peux entendre aussi le bruit de l'eau, enfin plein de choses différentes. J'entends des chants aussi. Moment d'extase, de communion avec l'univers, moment de tristesse, de colère, grande paix intérieure, voilà, un peu tout ça confondu. Sensation de fusion avec le tout et qui a parfois entraîné une perte d'identité personnelle. Voilà, ça a pu être parfois difficile à vivre. Sensation parfois de tout connaître et d'être le tout, ça c'est difficile à expliquer. Voilà. Et plus spécifiquement pour chaque chakra, donc brièvement, au niveau du premier chakra, donc le chakra racine, j'ai pu ressentir vibration dans le bas du corps, vertige, avec la sensation de ne pas être tenu, ça aussi c'est un peu difficile à expliquer, mouvement de balancement. Chakra sacré, donc le deuxième, une libido très changeante,
Voilà, parfois la sensation de faire l'amour avec la nature ou avec le tout, c'est un peu intime, mais voilà, ça fait vraiment partie de ça. C'est cool pour ton copain, surtout. mais alors justement, c'est important de ne pas confondre la libido et l'énergie sexuelle primaire et la kundalini. C'est vrai que la kundalini, elle peut entraîner une certaine libido, mais c'est différent en fait. Enfin, ah, c'est assez... une libido spirituelle dans ces cas-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est voilà. Pour ça que je précise la sensation de faire l'amour avec... Mais c'est vraiment faire l'amour de façon cosmique, en fait. Ça n'a oui. rien de... Ah bah, oui, c'est de faire vidéo, l'amour comme on entend. C'est pas comme une vidéo où j'avais vu un mec sur une vidéo qui était tout nu. On le voit sur la vidéo, il est tout nu. Il fait un trou dans la terre et puis il fait carrément l'amour à la terre. Bon, c'est... Ouais, non. J'en suis pas arrivée là. C'est assez comique, mais c'est vrai que après, bah oui, après c'est après bien sûr, mais après on peut être dans une espèce d'extase totale, mm-hmm. même encore mieux, je dirais peut-être même qu'un orgasme des fois en faisant des choses véritablement qui nous font vibrer, puisque exactement. Comme on dit que la sexualité, même l'orgasme, est quelque part une espèce d'énergie d'un coup. Qu'on ressent à l'intérieur de nous, et c'est exactement pareil quand vous faites des choses que vous aimez. C'est ça, on peut avoir un orgasme du cœur aussi. Par exemple. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que j'anime une émission sur Mysteria TV, je suis entièrement dans mon élément. Donc, quelque part, j'orgasme à faire ça. Voilà. C'est vrai, et parce qu'on est tous un petit peu faits pour certaines choses. Mais il y a eu des choses, à une époque, je faisais du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de sketchs également. À une époque, je me souviens d'être sur scène et puis de faire mes sketchs. Et quelque part, c'est pareil. J'étais dans un élément et je faisais mes sketchs, ça me faisait rire. Et j'étais dans une espèce d'énergie. Et je pense que tous qui vous nous écoutez ce soir, et puis les personnes en replay, vous faites des choses dans votre vie qui vous font, voilà, orgasmer et qui, quelque part, vous amènent une énergie, vous adorez les faire. Et je pense que c'est véritablement vers là, le plus possible, où il faut vous diriger. Faire véritablement. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah ouais, moi j'adore faire ça, mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. J'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mon mari, j'ai ma belle-mère, j'ai mes parents. » Voilà, mais après, vous vous empêchez de vivre. Parce que, et puis, il faut vraiment faire, au moins, bon, c'est vrai qu'on ne peut malheureusement pas faire tout ce qu'on a envie de faire tous les jours. Moi, je rêverais d'aller faire du ski sur la neige. Ça fait 10 ans que je n'ai pas pu y aller. Bon, ben voilà. Mais après, je veux dire, je pense que véritablement, quand il y a vraiment des choses à l'intérieur de vous qui vous font vibrer, orgasmer, j'ai envie de dire, mais allez-y, parce que la vie, quelque part, trop courte, même pour certaines personnes, malheureusement, des fois, elle peut être courte, elle peut être longue, mais elle peut être courte. Donc, il faut vraiment au maximum se faire plaisir, hein, Marie, je pense que... Bah oui, forcément, je partage. Mais c'est vrai, et ce que tu dis, c'est aussi justement ce qui participe à l'éveil de cette kundalini, finalement. C'est vraiment pratiquer des activités qui nous animent, quoi. Ben voilà, c'est ça. Et justement, alors, je pense qu'il y a plein de gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui vivent une kundalini sans le savoir. Complètement. Et c'est vrai que ça a été mon cas aussi, c'est-à-dire que quand elle a commencé à s'éveiller, cette kundalini, je savais pas ce qui m'arrivait, en fait, c'était assez perturbant, notamment dans le fait que je ressentais effectivement des douleurs parfois très vives, en fait, et assez spontanées à différents endroits, notamment dans le ventre, encore une fois. Et voilà, et puis qui repartait assez voilà subitement aussi, et puis dans aussi certains moments de voilà d'ouverture de conscience où parfois j'ai pu avoir accès à des choses qui étaient assez perturbantes aussi. Donc quelque part, est-ce que tu penses qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent une kundalini sans le savoir? Oui,
Tout à fait. C'est pour ça, en fait, que j'essaie d'en parler ce soir, même si c'est un peu délicat pour moi, parce que je trouve que c'est un sujet un peu complexe et puis que c'est difficile d'expliquer finalement ce genre de force et d'énergie avec des mots. Mais c'est important de pouvoir en parler un peu et échanger autour de ça parce que pour que justement les personnes puissent comprendre ce qui leur arrive, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai décrit un peu toutes ces manifestations que j'ai pu ressentir. C'est parce que parfois, si on se reconnaît un peu dans ce genre de manifestation, ça peut aussi, voilà, aider à comprendre ce qu'on traverse, quoi. Je vois Anibar qui me met à la place de faire du ski de neige, tu devrais faire du ski nautique. Mais Anibar, malheureusement, dans mon cas, vu mon poids, c'est pas un bateau qu'il faudrait pour tirer, c'est un paquebot. J'ai déjà essayé de faire du ski nautique, j'ai jamais réussi à décoller, je coule à chaque fois. Normalement, on se lève sur l'eau, moi je coule. Bon, j'ai pas de chance. Alors je vois Patricia te met, tous ces symptômes durent combien de temps? Les symptômes que tu as décrits, parce que c'est vrai que dans un sens, la Kundalini, de ce que tu nous en dis, on a envie de la faire. Et d'un autre, on se dit, mais attends, elle a mal là, elle a mal ici, si ça, ça, ça. Il y a un petit peu justement cette espèce de serpent, comme tu l'as montré, un petit, comme on le voit un petit peu dans le dessin. On a un petit peu ce serpent. Et d'un côté, on a envie de le faire. Puis d'un côté, quelque part, on se dit, bon, si c'est pour avoir mal partout, au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Ouais, j'entends. Mais en fait, encore une fois, pour moi, il n'y a rien à faire en ce sens pour développer sa Kundalini. C'est vraiment juste être en mesure d'accueillir cette énergie et puis de pouvoir ensuite la canaliser, c'est-à-dire la maîtriser, la modérer, entre guillemets. Donc, c'est pas. Bien sûr qu'il existe des exercices et des pratiques pour la développer, mais encore une fois, c'est pas comme ça que moi je l'envisage en fait. C'est vraiment quelque chose qui est censé venir d'une certaine façon naturellement. Juste l'idée, c'est d'être prêt physiquement et moralement pour pouvoir accueillir cette énergie. Et après, par rapport à ces manifestations que j'ai décrites, et c'est vrai que c'est, donc heureusement j'ai un peu condensé parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, va et vient, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, manifestations que je ressens toujours. Donc voilà, après, c'est vrai que encore une fois, je conseille pas spécialement de chercher à aller en ce sens de développer sa Kundalini. C'est vraiment juste, je me répète, mais c'est important, voilà, d'être juste en mesure de pouvoir l'accueillir. Tout à fait. Et est-ce que donc quand tu maîtrises un petit peu bon, cette énergie de Kundalini, ou du moins tu en es conscient, est-ce que tu peux t'en servir en tant que par exemple qu'énergéticien pour soigner les gens? Complètement, parce que du coup, en tout cas pour ma part, mais je pense que c'est le cas pour d'autres personnes, c'est certain, ça a développé vraiment une énergie de guérison en moi. Oui, tout Bah, à tu arrives fait. donc, grâce à cette énergie, tu peux même guérir en toi des choses, bon, à la fois des blessures, je pense, intérieures, mais est-ce que tu peux également guérir des mots, différents mots que tu as en toi ou pas? Oui, tout à fait. Même des mémoires et ce genre de choses, complètement. Parce que du coup, la force de cette Kundalini, elle me donne aussi accès à, voilà, encore une fois, des visions, des reconnexions de toutes sortes. Elle me donne accès vraiment à une grande connaissance. Et du coup, ça m'aide énormément pour même par rapport à ce qu'on peut appeler la médiumnité, en tout cas voilà, la clairvoyance, la clairaudience, et du coup ça aussi ça m'aide pour cette énergie de guérison et de soins, en fait. On pourrait un petit peu imaginer, enfin moi je le visualise un peu comme ça, cette énergie de Kundalini, un petit peu comme une source, tu sais, qui descendrait de, tu vois, la source telle qu'on le dit, telle qu'on se l'imagine dans l'au-delà, une espèce de lumière comme ça, très puissante qui descendrait sur Terre, et en fait, qu'on aimerait toucher pour pouvoir y avoir accès quelque part, hein, puisque en fait, c'est accessible quelque part à tout le monde, le Kundalini. Est-ce que ça l'est ou pas? Bah, en fait, j'aime bien la façon dont tu le décris déjà, mais c'est un peu ce que tu expliques. En fait, la Kundalini, on appelle ça aussi la Shakti de Shiva.
En fait, la Shakti, c'est l'énergie de la déesse mère et Shiva, c'est l'énergie du père spirituel. Et en fait, quand il y a ce processus de Kundalini qui s'éveille en nous, donc cette Kundalini, elle monte jusqu'à notre chakra coronal. Et en fait, à cet endroit-là, quand on dit que ça provoque l'illumination, c'est parce que ces deux énergies, en fait, fusionnent à cet endroit. Et effectivement, là, je pense qu'il peut y avoir, ou on peut voir une espèce de, ouais, de sphère de lumière ou quelque chose d'au moins si grand que ça. Ouais, c'est un peu comme ça que je me le visualise. Alors, Mireille demande, aurait-elle un lien avec la sexualité? Ok, bonsoir Mireille. Alors, oui et non. En fait, elle a un lien avec la sexualité dans le sens où effectivement, on peut la rapporter à la force sexuelle, mais toujours dans le sens force créatrice en fait. Donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à travers la sexualité et notamment la pratique du tantra ou en tout cas d'une sexualité sublimée, voilà, on sublime cette énergie-là en fait, effectivement, on peut tout à fait... rapporter cette énergie à l'énergie de la Kundalini. Mais c'est pas, voilà, c'est différent de l'énergie sexuelle brute, primaire, en fait. C'est vraiment l'énergie sexuelle créatrice, sublimée, transcendée. Mmh. Ouais, c'est vraiment, ouais, enfin, c'est-à-dire, moi, j'arrive un petit peu à m'imaginer cette espèce de, on voit ça des fois un peu dans les films, une espèce de, d'un, une espèce d'énorme jet de lumière qui traverse les cieux, là, tu vois. Et puis voilà, qui arrive comme ça, on s'imagine un peu comme ça, c'est parce qu'on sent que c'est quelque chose, une énergie qui est très très puissante et qui vraiment peut amener dans un espèce d'état, enfin, du moins de ce que tu en décris, hein, vraiment un espèce d'état de béatitude totale. Et on sent aussi que mal maîtrisé, justement, c'est comme un petit peu tout le risque, un petit peu de c'est un peu comme l'alcool, j'ai envie de dire. L'alcool, vous prenez un ou deux verres, trois verres, vous avez un petit peu toujours cet état au départ de l'alcool, pour ceux qui en boivent un petit peu, vous êtes toujours un peu bien. Il y a toujours une espèce de petit état où il y a un petit peu la tête qui tourne bien, on se sent bien. Et très vite, un verre de plus, d'un coup, on bascule. Voilà. Donc en fait, bon, je vais pas comparer l'alcool au Kundalini quand même. Ça serait pas bien, mais ce que je veux dire par là, c'est pas un exemple. Le Kundalini, il faut choisir. C'est ça. Puis on peut conduire avec le Kundalini, alors que l'alcool, on peut pas. Mais par rapport à ce que tu disais juste avant, ça me fait penser à un texte que Lulumineuse a publié sur Facebook aujourd'hui, où justement elle parle de la force sexuelle, de l'énergie sexuelle, et où elle explique justement cette différence entre cette force sexuelle à l'état primaire et cette force sexuelle transcendée. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'elle expliquait que cette force sexuelle, disons, expérimentée au niveau de ce qu'on peut appeler les bas instincts, c'est quelque chose qui pouvait, du coup, oui, ramener, enfin, je sais plus comment elle expliquait, mais qui pouvait du coup ramener, voilà, dans ce genre d'énergie tout simplement, et que du coup si on l'utilisait de façon plutôt voilà, à des fins d'élévation, ça permettait de voilà, de ramener cette énergie en nous. Mais voilà, ce que j'essaie de dire par là, c'est que la façon dont on se sert de cette énergie ou de n'importe quelle énergie, finalement, effectivement, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi sur utiliser cette énergie à des fins pas super chouettes. C'est que, ouais, tout dépend ce qu'on en fait, et que donc, tu vois, en ce sens, si cette énergie, on la canalise pas et on la sublime pas, effectivement, d'une certaine manière, elle peut nous emporter. En fait. Bah, c'est vrai qu'en fait, bah, comme on dit, tout est énergie. Quand vous rencontrez une personne dans la rue, par exemple, je sais pas, quand vous allez à un repas, quand vous allez à enfin bref, peu importe, et que vous allez voir une nouvelle personne, voilà. On vous dit, tiens, il y aura machin, il y aura un tel. C'est vrai que quand vous rencontrez une personne, c'est toujours un petit peu la première manière dont vous vous présentez à cette personne, qui un petit peu, la personne va avoir une attitude face à vous. Moi, je vois que, bon, je suis une personne, moi, en règle générale, quand je rencontre des gens, je suis toujours assez sociable, c'est toujours bonjour, un grand sourire, voilà.
Mais c'est vrai que si on rencontre une même personne et que tout de suite, on est très froid, tu vois ce que je veux dire? Puisque tu parles de. Je dis ça, puisque en fait, comme tu parles que l'énergie de Kundalini est une force, est une énergie, cette énergie, tu peux t'en servir véritablement à des fins où vraiment tu vas quelque part transcender à l'intérieur de toi. Mais en fait, tout n'est qu'une énergie autour de nous. On parle de la sexualité, mais c'est également un petit peu notre rapport aux autres. C'est ce qu'on va émettre qui fait qu'il va y avoir tel ou tel. Et d'ailleurs, même ce qu'on va émettre, même dans notre vie de tous les jours, c'est un petit peu ce que la vie va nous ramener à nous. Exactement. Non, mais c'était très bien dit tout ça. Ouais, ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un jour, du coup, la loi d'attraction, mais. C'est ça. Si tu la maîtrises quelque part et que tu t'en sers vraiment à des fins purement d'amour et vraiment à l'intérieur de toi de béatitude, quelque part, quand les autres, quand tu vas rencontrer les autres, bah, je pense que quelque part, comme tu as une énergie qui est très puissante en toi, donc tu vas vibrer automatiquement quelque chose de très puissant, bah, automatiquement, les autres en face de toi, même s'ils ne savent pas du tout que tu pratiques ça, automatiquement, quelque part, tu vas attirer les autres comme un aimant. Enfin, je me laisse imaginer ça. Bah oui ou non, en fait, ça dépend des personnes en face. Mais du coup, effectivement, ta vibration, elle paraît pas anodine. Après, elle peut très bien être du coup très attractive pour la personne en face ou au contraire être complètement répulsive. D'accord. Alors Marc, bonsoir Marc, merci d'être avec nous également. Je vois que tu es dans le chat. Alors Marc te demande comment savoir si on est prêt. Bonsoir Marc, j'aime beaucoup ta question. Je pense que c'est lié à ce qu'on peut appeler, c'est difficile à résumer, mais en gros, oui, ton état de conscience, ton état d'ouverture, j'aime pas dire niveau, mais ton niveau de vibration dans le sens, si tu as plutôt développé des vibrations hautes et que tu as réussi à, que tu as réussi. En tout cas, que voilà, elles sont plutôt installées en toi. Je pense que déjà, c'est un bon signe qui manifeste que quelque part tu es prêt. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui, si tu es prêt, effectivement, viendra naturellement. Et du coup, tu le sentiras à travers les manifestations que ça va provoquer en toi. Donc, tu disais tout à l'heure que donc cette Kundalini peut développer en toi également des dons. Par exemple, une personne qui va faire ça, donc qui va être intéressée pour développer sa Kundalini, peut d'un coup se retrouver avec des dons insoupçonnés, c'est-à-dire des dons de médium, des dons de guérisseur. Est-ce que ça va développer en toi, en fait, ça réveille en toi quelque part qui tu es véritablement? Oui, bah c'est ça. Ça réveille en toi qui tu es véritablement. Donc c'est pour ça que c'est pas que ça amène des dons ou ce genre de choses. C'est juste que ça te reconnecte avec ton essence. Et dans ton essence, effectivement, tu es médium, tu es parce que tu as tous tes canaux ouverts en fait. Donc simplement, ça te reconnecte à cette essence-là en toi. D'où le risque peut-être, effectivement, je comprends mieux, à un moment donné, quand tu te reconnectes totalement à toi, d'où le risque quelque part, à un moment donné, si tu utilises, enfin, est-ce que si tu utilises cette énergie, tu peux l'utiliser tous les jours, vraiment dans ta vie, à chaque moment de ta vie, ou est-ce que de trop l'utiliser, il n'y a pas un danger, juste à un moment donné, comme en parlant au début de l'émission, de vriller, en fait, un peu au niveau du cerveau. Tout dépend si elle se manifeste spontanément ou si c'est quelque chose de recherché. Si c'est quelque chose de recherché, et puis tout dépend aussi, encore une fois, ça c'est important de le rappeler, là où tu en es déjà à l'intérieur de toi, dans ton cheminement en fait, et si ton corps et ton esprit sont prêts. Après, si c'est quelque chose que tu recherches, peut-être qu'il y a des moments où c'est bien de faire une pause, mais oui, tout dépend à quel niveau de pratique, entre guillemets, tu en es. Pour ma part, moi qui vis vraiment toujours de façon spontanée, en fait, qui n'ai jamais recherché à déployer cette Kundalini, presque moins j'y pense et moins je le recherche et plus ça vient. Et tu vois, justement, ça, je remarque aussi que parfois certaines personnes peuvent s'accrocher à ces expériences de manifestation, notamment dans l'extase que ça peut provoquer. Et c'est super important de
de justement arriver à se détacher de ces manifestations-là. Parce que c'est aussi le but de cette Kundalini déployée, c'est acquérir ce détachement. Et si on s'attache à des manifestations de la Kundalini qui sont déjà passées, on va être dans la souffrance, en fait, parce que rien n'est permanent, quoi. Ouais, donc, quand même, c'est quand même une énergie où il faut quand même déjà avoir, quand même une bonne maîtrise de soi pour pouvoir, quelque part la contrôler. Enfin, c'est vraiment la contrôler, mais quelque part pour pouvoir la maîtriser, c'est ça que je veux dire. Oui, maîtriser. C'est ça. Voilà, la maîtriser, voilà. C'est un apprentissage. Moi, je suis encore dans cet apprentissage, du coup. J'apprends tous les jours avec ça, mais ouais. Ah ouais. Et donc véritablement, est-ce que même ça, au niveau par exemple de ton sommeil, est-ce que ça peut aider des personnes qui par exemple ont des troubles du sommeil, des gens qui ont des insomnies, tout ça, est-ce que ça peut aider à réguler par exemple des choses en nous? En fait, là c'est pareil, ça peut faire des manifestations très différentes. C'est-à-dire que d'un côté, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que il y a des moments où ça m'a plutôt aidé à dormir, à avoir des sommeils réparateurs et surtout à faire aussi des rêves plus ou moins conscients, des régressions aussi du coup dans des mémoires intérieures. J'ai aussi beaucoup de souvenirs de nuit où je vais dans des vaisseaux, etc. Et en ça, du coup, ça m'amène vraiment quelque chose. Après, ça, ce qu'il y a, c'est que des fois, ça déploie tellement d'énergie en moi que, du coup, forcément, ça m'empêche de trouver le sommeil, en fait. C'est ça, c'est... Ah ouais, donc c'est une énergie qui peut aussi, quelque part, fatiguer, quelque part. Ah oui, en tout cas, pour ma part, énormément. Voilà, ouais, ça peut fatiguer, voilà. Mais ça te, au-delà bon, des, on va dire des petits désagréments, puisque voilà, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, voilà, depuis que tu as découvert ça, est-ce que tu trouves qu'il y a véritablement eu un changement incroyable dans ta vie? Oui, c'est sûr que on peut au moins parler d'un changement incroyable, dans le sens où c'est une transformation totale de mon être, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens, et c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Mais j'avoue que, si je peux parler sincèrement, depuis le début de ces éveils spontanés de la Kundalini qui ont commencé, je pense, si je dois dater, environ 3 ans, peut-être un peu plus, mais enfin voilà. Effectivement, ça, enfin, j'aurais presque du mal à me reconnaître, même. Tu trouves, par rapport à la personne de qui tu étais avant, tu trouves qu'il y a véritablement un grand changement. Oui, dans le fond, il y a quelque part où je me reconnais, dans le sens où, j'ai certaines. Au niveau de la personnalité, il n'y a plus grand chose. Mais au niveau de comment dire, des choses profondes qui me composent, si, je retrouve des trucs. Mais en fait, il y a eu aussi tellement une perte d'identité en moi à des moments. Et du coup, j'ai acquis une tellement plus grande vision à l'intérieur de moi que je ne peux plus voir les choses comme je les voyais avant et les vivre comme je les voyais avant. Donc tout a changé, en fait. Ouais, ça a modifié profondément en toi, bon, visiblement en bien, Marie. Voilà, des choses, véritablement, ça t'a. Je pense qu'effectivement, quand tu vis. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que cette énergie du Kundalini est un petit peu comme cet éveil spirituel qu'on peut entendre, cet état où tu es connecté totalement corps, âme et esprit, quoi? Oui, ça se rejoint complètement. Ce que je pense par rapport à ça, c'est que tu peux atteindre cet état que tu décris sans passer consciemment par l'éveil de ta Kundalini. Après, je pense que pour déployer ta Kundalini, tu ne peux pas le faire sans avoir justement cette conscience et cette communication, même communion avec, j'allais dire, les sphères supérieures, mais pas que, en fait, tout ce qui t'entoure.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais profiter de présenter tes ateliers. Je prendrai les questions après. Je me posais peut-être la question, Marie. Est-ce que peut-être enfin, alors je ne sais pas si c'est possible, hein, mais en fin de conférence, faire un petit exercice là-dessus. Est-ce que c'est possible ou pas? Un exercice sur la Kundalini. Oui. Alors là, comme ça, je sais pas parce que c'est pas, j'allais le développer justement, mais c'est pas forcément non plus ce que j'ai prévu dans les ateliers. D'accord, ok. Bon, très bien. Voilà. Non, non, parce que quelqu'un a posé la question. Alors, je voulais savoir D'accord. si voilà, ça peut se faire comme Ah ça ou pas, mais mince, désolé. très bien, pas de souci. Alors, on vient présenter donc ton atelier. Donc, le titre de l'atelier, c'est Kundalini. Donc, deux ateliers donc, qui auront lieu le 8 mai à 20h30, le 16 mai à 20h30. Donc, dans le premier atelier, on va apprendre donc à distinguer, ressentir sa Kundalini, apprivoiser le contact avec sa Kundalini, accueillir, accompagner et non subir les manifestations de sa Kundalini, élever et maintenir ses vibrations suffisamment haut pour le déploiement de sa Kundalini, hygiène de vie, technique et outils, la Kundalini comme booster de sa créativité et connexion divine. Donc voilà, ça c'est pour ton premier atelier. Si tu veux Oui, rajouter quelque chose? ce que je peux éventuellement en dire, c'est que je vais aborder cet atelier et puis le second aussi un peu différemment des ateliers que j'avais fait précédemment, qui étaient assez, oui, basés sur des exercices, entre autres. Là, je pense que je vais un peu plus privilégier l'échange autour de ça, le partage, les conseils, des outils. Et effectivement, il y aura quelques exercices et quelques techniques, mais ce sera plus dans le sens de développer ces vibrations de façon générale que de développer sa Kundalini. Voilà. Et du coup, l'idée derrière, c'est que si sa Kundalini, si la Kundalini se déploie lors de ces ateliers, c'est parce que ben voilà, c'est OK pour la personne, mais ce sera pas quelque chose de voilà, recherché Ouais, en nécessaire. fait, tu vas, voilà, tu veux aider les gens, tu accompagnes, en fait, dans ces ateliers, tu accompagnes les gens à leur Kundalini. Voilà. C'est pas Ouais, toi qui vas faire en sorte c'est d'enclencher la ça. Kundalini chez eux, tu vas les accompagner pour les personnes qui désiraient aller plus loin dans leur Kundalini. En fait, tu vas leur donner Oui. les bases de départ pour développer leur Kundalini. C'est exactement ça, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, dans le deuxième atelier, donc les montées du Kundalini et l'ascension vibratoire, l'état de grâce, l'éveil, les transes vibratoires et la Kundalini, et également la sexualité, la Kundalini, oui, Kundalini, invoquer et canaliser, modérer consciemment sa Kundalini. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, cet atelier est vraiment pour but vraiment de vous accompagner pour les personnes qui désirent développer votre Kundalini. Donc, c'est comme c'est quelque chose qui se fait véritablement à titre personnel. Ce n'est pas Marie qui va enclencher un bouton qui va faire que votre Kundalini va s'enclencher, mais elle va vous donner tous les outils pour pouvoir faire en sorte que votre Accueillir, Kundalini va accueillir et développer quelque part votre Kundalini. Voilà. Voilà. je Alors, donne donc, pas le c'est Shaktipat. ça. C'est ça. Donc voilà. Donc ces deux ateliers donc, vous sont proposés au prix de 69 euros. Vous pouvez payer en une ou deux fois par PayPal ou par carte bancaire. Voilà. Alors, donc également, vous retrouverez également le lien de l'atelier sous la vidéo pour les personnes qui nous regardent en replay. Voilà. Et que d'ailleurs, je salue chaleureusement parce que je dis toujours bonjour aux personnes qui sont présentes, mais sachez que toutes les personnes qui nous regardent en replay, merci beaucoup également de nous suivre. Voilà. Vous faites partie également de toute cette belle aventure. Alors, pour les autres questions, alors Mireille demandait un petit peu tout ce qui est en haut est en bas. Tu vois, tu parlais un petit peu de ce comment dire, de cet équilibre. Oui. Et bonsoir Mireille. Et oui, je partage complètement cette phrase. Et c'est marrant en fait parce que c'était lundi, j'étais en formation avec une personne que j'accompagnais dans les lectures akashiques. Et à un moment donné, j'ai contacté mes guides dans ce cadre-là et ils m'ont fait faire un schéma justement pour m'expliquer que tout ce qui était en haut était comme tout ce qui était en bas.
Voilà, tu vois. Nickel. Alors, du coup, ensuite, donc merci pour cette question. Alors, ah voilà, Lionel te demande, la Kundalini est-elle uniquement ascendante? N'existe-t-il pas une énergie qui peut venir d'en haut? Oui, Lionel, en fait, il existe tout à fait plusieurs sortes d'énergies qui viennent d'en haut, en fait. Pour le coup, la Kundalini, c'est vraiment, elle se déploie vraiment dans ce sens-là. Après, il y a beaucoup d'énergies, je pourrais pas les citer, mais notamment des particules célestes et autres, qui effectivement viennent plutôt dans le sens inverse. D'accord. Merci. Alors, Orion te demande, est-il possible que jamais ressentir de douleur, car lors des montées, je n'en ai jamais eu. Voilà, est-il possible que voilà, qu'il n'y ait aucune douleur? Oui, Orion, bonsoir. Tout à fait, il est possible de même jamais ressentir d'effets désagréables, en fait. D'autant plus si, encore une fois, ton corps est plutôt préparé et que tu es prêt aussi à accueillir cette énergie. Alors oui, c'est clair que ça peut se faire même plutôt en douceur, quoi. D'accord. Voilà, il y a Philippe qui met, est-ce que le collier de Marie est fait pour le Kundalini? Mon collier. Voilà, c'est ça, c'est Ah, on mon collier. ne le voit pas. C'est une bonne question. Je pense qu'inconsciemment, oui. Ouais, tu peux porter des objets qui vont favoriser cette Kundalini? Pourquoi pas? Dans le sens où, si c'est ton intention, en fait, oui. D'accord. Même d'avoir, par exemple, chez toi des objets, tu penses, qui peuvent. Bon, je vais parler d'objets un petit peu en rapport avec tout ça. Je vais parler, tu sais, un petit peu un instrument comme le carillon ou alors un bol tibétain, un bol de cristal, ce genre de choses. Ouais. Oui, tout à fait. Après, ça, c'est assez personnel, propre à chacun, selon les goûts de chacun. Mais c'est vrai que même, tu vois, la musique ou certains sons, ou tout à fait, ça peut amener à faire monter cette énergie en nous. D'accord. Alors, merci. Alors, Virginie, bonsoir à toi également. C'est dit bonsoir à nous deux. Est-ce que cette énergie reçue est tellement forte qu'elle peut nous faire une sortie de corps brutale? Oui. Bonsoir Virginie. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ou pas, enfin vécu ou pas du coup même. Donc, vraiment, quand cette énergie monte, tu peux sortir de ton corps comme ça, brutalement? Oui, complètement. Ça peut. Après, ça n'arrive pas n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui. Il faut être vraiment dans, enfin n'importe qui si, mais il faut être vraiment dans un état de détente complet et déjà d'une certaine ouverture à l'intérieur de soi. Et oui, tu vois, comme ça peut aussi faire. Oui, tu peux faire des voyages astraux, avoir tout un tas de visions, etc., etc. Et enfin voilà, vraiment avoir tout un tas d'expériences assez atypiques et voire bizarres. Et en tout cas, les sortir du corps spontanées, tout à fait, peuvent être dues à un éveil, en tout cas une montée de la Kundalini. C'est des sorties de corps spontanées et non des combustions spontanées, tout va bien. Parce que si tu reviens à ma mince, mon corps est cramé, c'est con. Alors, Christophe te demande, est-ce que si elle vient un peu tôt, ça provoque de la confusion mentale? Coucou Christophe, ouais, super question aussi. Et je dirais que oui, complètement. Oui. Après, c'est quelque chose que personnellement, je peux même encore parfois expérimenter aujourd'hui. Bon, ça m'arrive bien moins souvent qu'au début, puisque maintenant, je comprends beaucoup plus facilement. Voilà ce que je peux traverser et ressentir, etc. Mais oui, ça peut provoquer une certaine confusion mentale, d'où l'intérêt effectivement d'être, encore une fois, préparé pour accueillir ce genre d'énergie, en fait. Ouais, parce que quelque part, par exemple, si je prends le cas, tu nous dis à un moment donné, ça peut développer des cas, des dons de médiumnité, des flashs, des trucs comme ça. Bon, je vais prendre par exemple vraiment le cas où voilà, tu fais une kundalini, voilà, t'as cette énergie de kundalini qui monte, tu commences à avoir des flashs. Est-ce que c'est quelque chose, même, est-ce que tu peux à l'intérieur de toi dire non, je ne suis pas prêt, je ne veux pas voir ça, et je veux dire quelque part, ça va disparaître, ou alors du moment où tu as déclenché cette énergie, tu as ces dons-là, et ces dons-là, tu les as.
Et malheureusement, tu ne peux t'en défaire. Je pense que tu peux mettre éventuellement ça de côté, en tout cas au moins pendant un certain temps, avec beaucoup, beaucoup de volonté par contre. Parce que dans mon expérience à moi, quand cette Kundalini elle a commencé à se déployer, effectivement qu'elle a entraîné des visions et tout un tas d'autres choses comme ça, les fois où j'ai eu peur, où j'ai voulu refermer, au début j'y arrivais pas en fait. J'avais pas du tout cette maîtrise-là. Et c'est vraiment avec l'apprivoisement, avec le temps, que petit à petit j'ai réussi à, oui, vraiment canaliser et puis du coup à presque, je dis bien presque parce que c'est pas encore aussi fluide que ça, mais presque gérer moi-même les moments où je veux que ça s'ouvre et les moments où je veux que ce soit plutôt en dormance. Ouais, parce que c'est vrai que quand arrivent des flashs, moi j'en ai eu quelques-uns, hein, quand ça arrive comme ça spontanément, malheureusement ça prévient pas. Et selon ce qu'on voit, ça peut être un peu. Ouais, c'est très perturbant. Faut dire le mot, c'est très perturbant. Enfin, bon, alors, j'ai envie de dire, vous qui nous écoutez, quelque part, si vous regardez cette vidéo, quelque part, vous vous intéressez peut-être au sujet, peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que la Kundalini ? Si quelque part, vous décidez d'aller plus loin dans les ateliers, bon, c'est que quelque part, vous vous sentez prêt. Mais c'est que quelque part, également, vous avez la connaissance un petit peu tout ça. Vous savez très bien qu'il existe des médiums, des énergéticiens, ce genre de choses. Par contre, une personne qui, comme moi, vraiment, quand c'est arrivé, j'avais, premier flash que j'ai eu, j'avais 16 ans, j'étais un adolescent qui n'était pas du tout là-dedans. La première fois que j'ai eu un flash, surtout que c'était très violent ce que j'ai vu, j'avoue que sur le moment, mais même j'y ai repensé pendant des années, mais ça m'a énormément perturbé. Voilà. Et encore, quelque part, j'avais encore une mère qui était un peu dans la spiritualité. Donc, enfin, qui était dans la spiritualité. Donc, quelque part, même si je ne m'y intéressais pas, j'étais pas, mais une personne qui ne connaît rien à rien de tout ça, c'était, enfin, je veux dire, c'est comment faire pour, à un moment donné, quand il t'arrive un truc comme ça, comment faire pour justement ne pas se retrouver en HP, qu'en hôpital psychiatrique, quoi. Mais complètement, et d'où l'importance d'en parler aussi justement, d'en parler, de se renseigner aussi sur par rapport aux manifestations qu'on peut vivre, sur voilà pourquoi on vit ça, qu'est-ce que ça représente en fait. Et là, ça permet de nous sécuriser, mais presque en tout cas vraiment de nous rassurer sur le fait que ben on n'est pas fou et que ben ce qui est bizarre est en fait normal finalement. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais, c'est vrai. Alors, Nathan te demande, une Kundalini, je crois en avoir une. Je n'étais qu'une lumière et j'ai ressenti cette énergie monter et sortir jusqu'au-dessus de ma tête. En était-ce bien une? Certainement, oui. La façon dont tu le décris et ce que j'en perçois, oui. En tout cas, ça s'y apparente tout à fait. Ça peut être une des multitudes. Façon de se manifester. Ouais. Alors, merci. Alors, Claude demande, je n'ai pas vu le début et je n'ai donc pas entendu les symptômes. Je pense qu'il y a un an, ça a voulu commencer. Comme j'ai entendu que ça pouvait abîmer le corps, je l'ai rejeté comme j'ai des douleurs. J'entends. Oui, bonsoir. Et j'entends et je comprends. Après, l'idée, je pense, c'est d'arriver à ne pas en avoir peur, entre guillemets, parce que, à mon sens, justement, plus on en a peur, plus on appréhende cette énergie et plus, d'une certaine façon, on la retient. Et plus, justement, quand elle va passer, elle va faire potentiellement mal. Et surtout, plus on a peur et plus, plus c'est vécu difficilement. C'est ça aussi l'intérêt de pouvoir l'apprivoiser, c'est d'arriver à ne plus en avoir peur. Quelque part, ça, c'est très important. Mais c'est un sentiment, quelque part, très humain. Oui. C'est un sentiment très humain, la peur, quelque part. Évidemment. On se dit, surtout dans la spiritualité, quelque part, on dit qu'il ne faut pas avoir peur, mais c'est un sentiment humain d'avoir peur. Oui. Justement, la peur, quelque part, nous fait souvent rejeter. Et puis surtout, ce genre de choses, c'est quand même pas des choses, c'est pas une petite souris qui passe dans la pièce. Moi-même qui ai très peur des souris, j'ai peur de souris. Tout le monde l'aura compris, mais voilà, une souris qui passe dans la pièce, voilà, c'est quand même des énergies très très fortes, des états émotionnels que l'on vit qui sont
très, qui peuvent être bouleversants. Donc, je suis tout à fait normal, je pense, Claude, votre réaction. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai Angélique, bonsoir Angélique également, donc qui nous demande « Oscillement du corps et grande chaleur et énergie venant du chakra racine et remontant le long de la colonne vertébrale en méditation, est-ce une montée de Kundalini ?» Oui, Angélique, c'est un grand oui. C'est selon moi, oui, je pense que c'est tout à fait ça. Voilà, d'accord. Ouais, ça doit être, voilà, c'est quand tu es dans cet état méditatif et que tu ressens. Alors, des énergies, c'est marrant parce que des énergies, tu peux les ressentir aussi. C'est vrai qu'on n'est pas tous, malheureusement, tout le temps attentifs à notre corps parce que ce soir, on parle de ce sujet-là. On essaye de se remémorer. Est-ce que j'ai déjà senti des espèces? Moi, enfin, me semble hein, vraiment avoir déjà ressenti des énergies comme ça à l'intérieur de mon corps. Tu vois, véritablement, des fois, tu sens une espèce d'énergie un petit peu qui traverse de part en part. C'est un petit peu rigolo et effectivement, dans un état où tu peux te sentir bien. Donc, je laisse assez facilement à imaginer ce que c'est qu'une énergie du Kundalini. Tout à fait, ouais. Alors, du coup, il y a quoi d'autre? Il y a, attends, j'avais une autre question de Mireille. Voilà. Des personnes disent qu'elle peut être violente. Cette montée peut selon l'individu. Alors, je pense que c'est plutôt, c'est plutôt ça, dans cette question. Il faut certainement un degré d'évolution d'éveil tout de même pour pratiquer la Kundalini ou pas? Oui, Mireille, bonsoir. En fait, si tu parles effectivement en termes de pratique, alors oui, tout à fait. Encore une fois, c'est important de... Je ne sais pas comment le résumer en fait, mais je pourrais dire peut-être d'être vraiment dans un état de... d'ouverture presque permanent en fait, d'être déjà dans une vraie tranquillité d'esprit et dans une dans un état de réception complètement réceptivité par rapport à ça. Je pense, de ce que tu dis, en tous les cas, ouais, ça m'en a tout l'air. Il y a une autre question de Châtaigne, bonsoir Châtaigne, qui met le Kundalini arrive-t-elle en méditation? Donc, visiblement, oui. Enfin, je ça réponds puisque tout à l'heure, Angélique a posé la question. C'est en méditation, mais pas que également. Hein, pas que. Et il y a plein de façons de voir manifester sa Kundalini. Châtaigne, encore une fois, comme tu le disais aussi, Anatole, tout à l'heure, vraiment, il y a un endroit où, voilà, simplement le fait de pratiquer une activité qu'on aime, d'être, voilà, comme je le disais aussi, dans ce contact avec la nature, d'être vraiment dans cette position intérieure d'ouverture et de réception, ça participe au déploiement de cette Kundalini complètement. Ça va quelque part aussi vraiment avec l'ouverture de conscience, l'ascension vibratoire, tout ça. Ouais. Anna te demande, je pense qu'Anna, tu viens peut-être d'arriver, à quoi ça sert la Kundalini en fait? Anna, bonsoir. La Kundalini, c'est pas, en tout cas de mon point de vue, à proprement parler, c'est pas une énergie qui sert à quelque chose. C'est plutôt une énergie qui est au service de quelque chose. C'est-à-dire que, en tout cas, comment moi je l'ai perçue dans mon expérience, c'est vraiment une énergie qui est au service de l'amour, qui me donne envie de, moi, être en service, en fait. Après, bien sûr, ça... cet éveil de la Kundalini, il m'apporte des choses dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de la conscience, etc. Mais c'est pas à la base, c'est pas quelque chose qui a pour but de servir un intérêt ou c'est plutôt non, être au service justement. Enfin, ça te permet si quelque part, bien. Ouais, si, je comprends, on comprend tout à fait Marie, ça permet, pour répondre également à Anna, ça permet quelque part de connecter quelque part à la source, imagine-le un peu comme un faisceau de lumière qui descendrait du ciel un petit peu jusqu'à la terre, enfin directement jusqu'à ton chakra racine, hein, si je dis bien, et tu serais en fait une espèce de connexion totale
entre toi, ton âme et l'esprit et l'au-delà, je veux dire, une connexion totale qui te permet quelque part d'ouvrir un peu tes cinq sens, j'ai envie de dire. Si on peut dire ça comme ça, Maria, les cinq sens, ça te permet d'ouvrir le côté médiumnique, ça peut t'ouvrir des choses, même peut-être insoupçonnées, et ça te met dans un état vibratoire où tu te sens véritablement très, très, très bien, d'après ce que du moins Marie nous a dit. Par contre, effectivement, ce n'est pas sans conséquence, car c'est quand même une énergie qu'il faut quand même savoir maîtriser. Voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, justement, Patricia demande pourquoi cette grande fatigue. Bonsoir, Patricia. Je pense que cette grande fatigue, en tout cas dans comment je l'expérimente, elle est liée à justement ce foisonnement d'énergie à l'intérieur de moi. Elle est liée aussi à tout du coup le travail énergétique, si je peux le résumer comme ça, que ça engendre. C'est-à-dire que cette Kundalini, comme effectivement, elle se manifeste souvent chez moi. Elle engendre énormément de nettoyage, de bouleversement en fait sur tous mes dans tous mes corps finalement. Et donc ça me prend énormément d'énergie. Et voilà, c'est lié aussi au fait, je pense que ça canalise. Oui, ça me prend aussi énormément d'attention quelque part. Et puis du coup ça m'amène tellement à être portée parfois sur un autre plan finalement que ça me demande toujours un réajustement, voilà, des efforts en fait pour me réaccorder d'un plan à l'autre. Et toutes ces choses-là et d'autres choses certainement que j'oublie mais qui vont dans le même sens font que ouais, je suis très souvent fatiguée. Et puis il y a aussi beaucoup, je crois, d'activités nocturnes en fait, où voilà, quand je dors, je travaille aussi beaucoup en même temps, et voilà. Alors je vais répondre à Anna qui demande quel jour pour les ateliers. Anna, c'est le 8 et le 16 mai, voilà, à 20h30, voilà, pour les jours d'atelier avec Marie. Alors du coup, également, Christophe te demande, est-ce que la pratique du yoga ou des arts martiaux peut aider à mettre en place une kundalini douce? Alors effectivement, c'est une question très intéressante, Christophe, parce qu'effectivement, est-ce qu'il peut y avoir une kundalini, c'est-à-dire qui arrive en douceur, ou est-ce que c'est systématiquement une kundalini qui tu la prends dans la tronche et puis bon, t'as pas le choix, quoi. Oui, Christophe, non, c'est juste, c'est vraiment effectivement ce genre de technique, ça peut tout à fait aider à accueillir les manifestations de sa kundalini de façon beaucoup plus douce. Encore une fois, il y a plein d'autres techniques aussi, tout dépend ce qui parle à chacun, hein, mais effectivement, tout ce qui favorise de toute façon le développement de sa conscience et puis de sa paix et puis de son cœur et voilà tout ce qui va en ce sens ça aide à préparer le terrain aussi quelque part en fait à accueillir ces manifestations et du coup elles ne sont pas subies en fait. Est-ce que comme ça quand tu as cette énergie du Kundalini, quand tu la maîtrises bien, est-ce que tu es moins malade? Est-ce que tu vas moins tomber malade, tu vas moins avoir de… ou est-ce que ça n'a rien à voir, mais est-ce que tu peux justement, automatiquement, comme dans ta vie, tu es mieux, est-ce que ça peut bloquer certaines maladies? En fait, dans le sens où ça te libère aussi des mémoires, des toxines, et puis qu'en parallèle, du coup, ça t'amène aussi naturellement à adopter une autre hygiène de vie, à adopter aussi une autre façon de penser, de voir les choses, etc. Tout ça, ça favorise, effectivement, ça participe au fait que tu as beaucoup moins tendance à développer des maladies, c'est très clair. En même temps, tu développes moins, voire plus de maladies. Pour autant, encore une fois, tout ce temps où ta kundalini, en fait, elle nettoie un peu tout ce qui est en toi, elle peut provoquer pas mal de désagréments physiques et même des fois des troubles qui s'apparentent à des maladies. Mais c'est différent, du coup. Bien sûr.
Zazou te demande, il peut y avoir des conséquences quand c'est mal géré ou utilisé? Oui, Zazou, bonsoir. Tout à fait. Des conséquences, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le plan psychique et physique. Donc, ça peut effectivement laisser toutes sortes de séquelles. Merci. Séraphina demande, bonsoir, comment arrive la Kundalini? Bonsoir, Séraphina. Ouais, c'est une chouette question aussi. Eh bien, il y a différentes façons. Il y a ceux chez qui ça arrive de façon spontanée, donc comme pour moi. Et il y a ceux qui font une recherche, un développement en ce sens, avec différentes pratiques, différents exercices. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui existent en ce sens, encore une fois, je ne vais pas tout détailler, mais de toute façon, que ça arrive de façon spontanée ou que ce soit plus ou moins recherché, ce qui favorise vraiment le déploiement de cette Kundalini, encore une fois, c'est oui, son état vibratoire. Enfin, finalement, ça va un peu avec, mais c'est vraiment veiller à son hygiène de vie, son hygiène de pensée. Et surtout, je pense que ouais, c'est très important de prendre, oui, d'adopter cette conscience de tout ce qui nous entoure, en fait. Parce que sans ça, encore une fois, c'est difficile, du coup, de développer cette énergie de vie qui est aussi, du coup, une énergie divine et cosmique. Et donc, si on n'a pas conscience du tout, je ne sais pas comment le nommer autrement, en fait, bien, c'est difficile d'éveiller sa Kundalini et on pourra faire des exercices en ce sens, mais ça ne viendra pas forcément. Mais justement, Flamme qui te pose la question. Bonsoir, j'ai toujours entendu dire que la Kundalini se manifestait naturellement, qu'il ne fallait pas la provoquer. Dans ce cas, une fois que notre terrain est prêt, en quoi vos ateliers peuvent aider? Oui, bonsoir Flamme. Alors, c'est une très bonne question. Pour ce que tu as exprimé, je suis tout à fait d'accord aussi d'ailleurs. Et par rapport à mes ateliers, tout dépend, en fait, c'est vrai que c'est très personnel. Si tu sens que le terrain est prêt chez toi et qu'en ce sens, tu peux tout à fait tout seul, accueillir cette énergie, effectivement, tu n'auras pas besoin forcément de ces ateliers. Après, ils présenteront toujours un intérêt dans le sens où ça va être vraiment un moment de partage autour de ça, mais plus profond, enfin pas plus profond mais plus poussé que ce soir, dans le sens où il y aura aussi effectivement des outils et des outils et des techniques par rapport à ça, toujours dans le sens de l'apprivoiser plutôt que de la développer. Et ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, en fait, parce que vraiment, cette énergie de Kundalini, je pense que de plus en plus de personnes vont être amenées à l'expérimenter, notamment avec cette ascension collective, en fait. Et en ça, ces ateliers, c'est vraiment l'occasion de pouvoir que chacun partage son expérience autour de ça, et je pense que ça va aider chacun, ça c'est certain. Parce que l'expérience que moi j'en ai, ce que j'en apporte ce soir, c'est une part, mais les personnes qui seront présentes à cet atelier, ils vont aussi beaucoup de choses à apporter autour de ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Marie est vraiment là pour vous accompagner, à vous donner les outils pour vraiment, comme tu l'as très bien dit, apprivoiser cette Kundalini pour aller, voilà, elle va vous donner en fait, elle va vous donner toutes les clés, tous les outils de son expérience, parce que c'est quand même quelque chose, comme tu l'as dit, que tu pratiques depuis 3 ans, donc tu as quand même une certaine maîtrise, du sujet. Donc, elle est vraiment là pour vous accompagner dans votre Kundalini, mais par contre, elle ne va pas la déclencher chez vous. Voilà, c'est véritablement quelque chose qui vous est propre. C'est quelque part comme la médiumnité et comme également l'atelier que tu avais fait sur la clairvoyance. Tu ne déclenchais pas la clairvoyance, tu donnais des outils pour pouvoir, pour pouvoir développer cette clairvoyance. C'est ça. Mais voilà.
En même temps, ce que j'aimerais rajouter par rapport à ça et qui me vient tout de suite, c'est que, tu vois, c'est jamais le but dans ce que je propose d'activer les choses chez les gens. C'est vraiment d'amener chacun à ses propres reconnexions, à son propre rythme. Pour autant que ce soit, voilà, dans les soins que j'apporte ou dans les ateliers, même dans les formations, en fait, pour oui, toutes les personnes qui sont prêtes, forcément, simplement le fait d'en parler, d'être dans cette énergie-là, chez beaucoup de personnes, en fait, ça a effectivement développé ou leur kundalini, ou leur vision, ou d'autres canaux pour d'autres. Mais en fait, voilà, simplement, forcément, le fait de concentrer son attention là-dessus et de baigner dans cette énergie, ça favorise ça aussi. Et moi, par exemple, depuis tout à l'heure, je parle au sujet de la Kundalini et je sens mon corps qui tremble et j'ai plein de... Parce que du coup, ça l'active, quoi. Ah oui, c'est ça, bah oui. Il entend parler de lui, il se manifeste, c'est normal. Alors, Virginie te demande comment la gérer quand elle est spontanée et très forte, sans rentrer dans la peur, car ce n'est pas terrible, même si je suis tout à fait d'accord sur un bien mieux alignement intérieur. Merci Marie. Merci Virginie. Eh bien, c'est vrai que c'est pas du tout évident d'arriver à la canaliser quand tu sens que tu as bah oui, ce qu'on appelle une montée et qu'elle est assez puissante. Si j'avais éventuellement un conseil à donner dans ces moments-là, c'est d'être soit seul, soit avec une personne vraiment de confiance, qui puisse, voilà, t'accompagner dans ce moment-là et te rassurer, en fait. Et sinon, voilà, d'être seul et pourquoi pas de t'allonger, en fait, de t'allonger, de respirer, voilà, consciemment. Et de laisser aller, d'arriver à lâcher prise et à se laisser traverser par voilà, cette vague éventuellement que tu peux ressentir pour qu'elle puisse après passer plus facilement. J'étais en train de m'imaginer un petit peu une scène qui me fait rire parce que j'imagine la femme, tu sais, donc qui est là, qui a une montée de Kundalini, qui est là, qui d'un coup dit à son mari, ah, oh, ça monte, ça monte, ça monte. Puis le mari, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de vomir? Non, non, c'est la Kundalini, ça monte. C'est vrai que c'est. Non, parce que On va en faire une blague. visiblement, ça peut surprendre, hein, d'après ce que j'ai compris, quand ça arrive, ça peut surprendre. Donc, j'imagine, voilà, vaut mieux prendre une petite pancarte avec soi. Si jamais vous êtes avec votre mari ou votre femme qui n'est pas du tout là-dedans, c'est pas mal de prendre une petite pancarte et de mettre. Ça y est, je suis en train de faire monter ma Kundalini. Attention, c'est Parce que, une limite. voilà. Bon, bien, bien. Bon, bah, écoutez, sur cette conférence bien, bien sympathique, en tous les cas, ça nous aura bien rigolé. Voilà. Bon, écoute, Marie, tu peux peut-être dire un mot pour la fin, si tu veux. Oui, avec plaisir. Eh bien, simplement vous remercier tous en fait d'avoir suivi ce direct. Voilà, c'était un peu intimidant pour moi d'évoquer ce sujet-là, mais ça me tenait quand même vraiment à cœur de pouvoir le faire, voilà, avec mes mots à moi. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Ouais, voilà. Je vais juste répondre à Châtaigne qui demandait comment ça se passe, que sont les symptômes. Châtaigne, il y a tout. Marie a déjà bien répondu à cette question tout à l'heure. Elle a lu tout un texte en début de conférence où justement elle parlait des différents symptômes qu'on peut avoir lors d'une montée de Kundalini. Donc, je t'invite à regarder le début de la conférence. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Petite information, puisque je vois que Katia est là, je vais en profiter. Donc, hier, je me suis trompé au niveau de la date. Donc, vous pouvez retrouver donc mardi soir, mardi prochain, Anne Causeur, donc qui va recevoir Katia. Ah, super. Donc, voilà, Katia qui sera là mardi prochain.
Là, ça a coupé. Ça a coupé pile quand il fallait. C'est bizarre, il y a assez d'air. Ah, voilà, non, c'est bon. Hop. Voilà, ça a coupé pile. Une petite coupure, je sais pas, une petite coupure de. J'ai pas eu le temps de vous dire au revoir quand même. Je ne sais pas où ça a coupé. Bon, bref, c'est pas. C'est la fin de la conférence. Je préfère que ça coupe maintenant qu'en plein milieu. Bon, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite tous voilà, une très bonne soirée et puis à très très bientôt. Voilà, merci. Ouais, belle soirée à tout le monde.